Très cher dictionnaire, un beau jour, tu as eu une idée géniale, celle d'organiser le concours J'épelle au soleil pour tes petits amis des écoles primaires afin de les stimuler à l'effort et au progrès. Ce concours tant apprécié fait encore l'admiration de tous les spectateurs. Aujourd'hui, c'est la fin de ce beau programme si instructif pour nous. Nous ne saurons nous séparer sous silence. En ce moment, je me sens heureuse et fière d'être le porte-parole de tous les participants pour te féliciter et te remercier. Merci, cher dictionnaire, d'avoir pu te mettre à notre niveau pour nous comprendre, pour ta patience à nous attendre et à répondre à nos multiples interrogations. Tous, nous avons profité au maximum de ce concours. Nous avons tous gagné, car les mots que nous n'avons pas pu épeler correctement resteront à jamais gravés dans notre mémoire, certes, avec leur bonne épellation et la voix du dictionnaire. Merci encore, cher dictionnaire, pour tout l'intérêt que tu nous portes. Dieu certainement te rendra au centuple ce grand bienfait. N'est-ce pas lui qui a dit « Tout ce que vous faites à l'un de ses petits, c'est à moi que vous le faites. » Qu'il daigne te bénir en retour, te fortifier et t'accorder les grâces nécessaires pour continuer dans la joie et l'amour cette noble et belle mission qu'il t'a confiée auprès de nous. Applaudissez chaudement, s'il vous plaît, notre cher dictionnaire. Cher dictionnaire, nous te laissons avec cette gerbe, symbole de notre gratitude, notre attachement et notre affection. Merci, merci. Quant à vous, Castia et Alexandro, vous étiez toujours avec nous, non seulement pour nous annoncer les mots doux comme les mots durs, mais aussi pour nous soutenir, nous supporter, nous encourager lorsque l'émotion était à son comble et qu'aucun mot ne pouvait sortir de notre bouche. Mille merci pour votre patience et votre support. Que Dieu vous bénisse en retour et vous comble de bonheur. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Que dire de notre esthéticienne Monette quand les pleurs et l'émotion abîmaient nos beaux visages? Avec quelle rapidité tu nous redonnais un teint neuf, frais et resplendissant. Monette, va de l'avant, car tu es très bonne en chirurgie esthétique. Toi aussi, tu as parfaitement rempli ton rôle. Mille merci à toi. Que Dieu te comble de ses bienfaits. Applaudissez-la, s'il vous plaît. À vous tous, membres de l'équipe Radio-Télé Soleil, qui ont contribué dans l'ombre afin de rendre possible la réalisation de ce concours. Je cite Frères Mésidor, Alexandra, les caméramans, les photographes, etc. Nous disons un sincère merci venant du plus profond de notre cœur. Tous, vous avez joué parfaitement votre partition, ce qui a fait de ce concours une vraie réussite. Vous n'avez pas perdu votre temps. Votre mission est noble. Allez de l'avant. Que Dieu vous garde toujours dans son amour. Qu'il vous protège et vous accompagne tous les jours de votre vie. Encore mille merci à vous tous,
de tous les participants au concours GPL au Soleil 2010-2011.